Ma Mission TV, le miroir du monde. La police nationale congolaise, le ministre a accompagné Naba député national, vous imaginez la population, parce que peut-être à Massa, c'est comme si vous en avez vu. On est qui frappe là? On va comprendre cette situation, c'est qui a autorisé les policiers congolais sur des députés nationaux et sur un ministre d'État chargé des infrastructures. On doit nous dire qui a donné cet ordre. Quel est ce général ou ce colonel qui a donné l'ordre? Na kombo ya nzambe ya moto mosute ya nzambe esika oyo ezalaki kobongama na lolenge ya mutu na mayela ezaka na mutu te ntango oyo na batrater na bino bobebisi mboka na nsima nango boya kosala makambo na bino yaaa Ma Mission TV, le miroir du monde. Béton, leader, l'homme du terrain, moi non. Thank you.
avons des temps aussi pour que les gens soient là. Continuez à être là. Pour le téléphone, attention. D'ailleurs, je suis déjà pour vous. Est-ce qu'on peut oublier les... On avait démoli et qu'on l'a reconstruit. Ce sont les amis de Yuma. Il a tout bloqué. Il n'y a pas eu, hein.
Alors aujourd'hui, ça fait exactement 9 mois que ce projet a commencé. Nous avons entendu beaucoup de choses sur le projet dirigeant. Effectivement, il y avait des inquiétudes sur l'état d'avancement du projet. Donc il était important, en tant que gouvernement, en tant que responsable, de voir est-ce que ce projet marche ou il ne marche pas. Et au terme de cette journée, nous pouvons dire qu'il y a des choses qui marchent bien, et cela n'est pas assez dit, mais il y a aussi beaucoup qui reste à faire. Mais il faut tenir compte du fait que nous avons encore à peu près 19 mois pour pouvoir clôturer ce projet. 9 mois sont écoulés, il reste à peu près 19 mois pour totaliser les 28 mois. Ça veut dire qu'il y a effectivement du temps, mais il faut bien utiliser ce temps et corriger les choses qui ne marchent pas bien. C'est ainsi que nous avons fait cette tournée et le constat que nous faisons, c'est que nous avons fait la tournée à partir du district de Changu, nous avons fait la Fula, nous avons fait le Mwamba et nous venons clôturer ici à Lipunga. Nous constatons qu'effectivement sur les 35 artères qui sont prévues, à peu près 15 artères, on a commencé les travaux. Chaque artère avec son niveau d'avancement, mais au moins on a commencé les 15 artères. Sur les 15 artères, il y en a à peu près 4 pour lesquelles nous pouvons considérer que les travaux ont atteint un niveau satisfaisant parce que déjà on est au niveau de l'étalage. Pour d'autres, on est encore au stade des assainissements. Des assainissements qui prennent un certain temps, mais pour lesquels nous pensons et nous avons donné effectivement des instructions et des recommandations très claires à l'entreprise qu'il faut que ces travaux d'assainissement finissent et qu'on passe à la phase de stage. Parce que c'est ça que la population attend. Moté. Oui, comment c'est regrettable. Nous avons un journaliste qui a accompagné le ministre d'État, le ministre Alexis Bissavo, Awa Nakintuka. Et bizarrement, un sujet belge, la police nationale congolaise, le ministre a accompagné Naba député national, vous imaginez la population. Parce que peut-être à ma c'est comme si vous en avez bien, ça c'est un bon canine. Vous avez vraiment un bon canine, la police congolaise, à d'autres bêtes à mon conduit, il fallait la sécuriser. Le ministre n'est pas exemple policier. Ce qui va ministre, le policier, le ministre va respecter. Ce sont les gens qui sont à la WAPI. Ça va blesser, va pas les réels, n'a pas gaz lacrymogène, on dit tout ça bien. C'est ça normal. On ne fait pas nous étudier.
On ne quittera pas. On va comprendre cette situation. C'est qui a autorisé les policiers congolais de tirer sur des députés nationaux et sur un ministre d'État chargé des infrastructures. On doit nous dire qui a donné cet ordre. Quel est ce général ou ce colonel qui a donné l'ordre à ceux qu'on tire sur les députés nationaux qui faisaient leur travail en train d'expliquer les routes. Et puis c'est pas deux balles là, hein. C'est une trentaine de balles, une trentaine de balles. Parce qu'il fallait quand même tous à l'imprégner, tous à la tuer si effectivement mais selon ça, ma robe est parce que la population a zo quoi mais à travers Bissobé représentant là, ne faut pas palper tout ça Moussa. La Moussa là aux ça la évolution dans les années 2000. Oh et salami na oh et quel peu salam. Ou bien oh bah parce que Bissobé quand ça la macan. Mais à notre grande surprise que quoi on a battu un discat, on a buté un bonbon et on est au père de Bavina. So bah tu vas zuba les blessés ou bien muta confier. Non bah tu vas zo qui basali ou bah oh bah c'est pas qui na l'hôpital Bazar. Au Bazouki, toi, qu'on a collègue de l'honorable musical. Au Barapetier, Makinimbang, on a fait ça. À son état, mon critique. Donc, Naza, vraiment très émotionnel. Naza, on a mal. Tout à la ministre, c'est quoi? Donc, population, nous sommes vivants. D'autres, vous échappez. D'autres, vous échappez. D'autres, vous échappez. D'autres, vous échappez. D'autres, On va l'interpeller maintenant. On va voir.
Moula,
Est-il que commandant la Vous avez dit que vous avez dit
Merci pour votre présence. Je crois qu'on pourra se rendre compte, nous tous, de visu, de l'état d'avance attenu à votre présence. C'est donc sans plus tarder, jusqu'à la concession OBD, où nous avons des parcelles. C'est beaucoup plus loin. Oui, c'est plus le... On peut aller avec le véhicule là où se trouve la concession. Avant que moi j'explique, il peut expliquer le projet. Nous avons commencé par les assainissements. Aujourd'hui, les assainissements sont à plus ou moins 2 mètres des assainissements qui sont déjà faits. Il reste plus ou moins d'assainissements. C'est presque terminé. Je crois que je peux vous faire compléter par la mission de contrôle. Oui, qui travaille ici, c'est la même aussi qui est sur le terrain. Au problème qu'il y a sur la terre aujourd'hui. Ils se sont réguliers vers ici en attendant que ces problèmes ne soient détendus. Et maintenant, ils sont en train de travailler sur les 1150 mètres qui étaient restés. Et là, ils sont à 1100 mètres carrés. Et bientôt, ils vont terminer cette partie-là pour rentrer encore sur la commune. Ils sont un peu plus loin. Peut-être avancer. Habillez, s'il vous plaît. Vous voyez, excellent, honorable. Vous avez les assainissements. Vous avez assainissé, on n'a pas encore vu. Mais par contre, on a affiché les pourcentages. Donc, je Donc, ils ont le droit de poser les questions pour comprendre les projets. Donc, nous avons des. Quand elle voit les caniveaux comme ça, elle n'a pas l'impression que les choses avancent. Donc on a besoin de voir le niveau d'avancement par rapport à l'asphaltage. Oui, Excellence, c'est une question tout à fait préoccupante. L'entreprise, c'est là où nous avons dit que le planning qu'ils nous avaient posé, nous avons demandé qu'ils requalifient ça, étant donné de certaines urgences. Quand vous verrez dans leur programme, à l'époque, ils avaient mis pratiquement vers le mois de juin le bâtiment. Nous avions insisté pour que, oui, de l'année 2020. Mais nous avons repoussé ça et ils ont accepté. Et c'est comme ça que aujourd'hui, nous verrons quand nous allons faire la visite, on verra que Assos a déjà commencé les bitumages. Aujourd'hui, nous allons le voir quand nous allons passer là-bas. Donc ils commencent déjà l'opération bitumage. Mais en dehors de ça, nous allons le voir. Il y a des routes qui sont déjà bitonnées, qui sont suffisamment avancées. Nous allons les voir, ils sont plus positionnés du côté Loukoumbe. Et quand nous allons passer là, vous allez voir qu'il y a des routes qui sont déjà prises en charge, pour lesquelles Dona Béatrice Maya, là, c'est déjà terminé. Et du fleuve est à 80% sur la chaussée. Ngandakilo, il est pratiquement aussi à 80%. Mais nous avons un petit problème, nous allons les voir quand nous serons sur le terrain. On va y aller, oui. On va y aller district par district. Comme ça, au lieu d'avoir une idée, pas district. Nous sommes ici dans Tchang, il y a 4 grands campements, accès chez Tchang, et puis il y a beaucoup d'ingénieurs.
et la République, Deuxième République. Ça fait 4. 4. Ça fait 4. Sur les 4, il y a 2 qui ont commencé. 2 qui ont commencé en termes d'assainissement. Donc, Deuxième République ou bien Bolingué? Non. Deuxième République. Il y a deux, ça dit. Donc, papa, qui est Terre-Jaune, nous avons Bolingué. Nous avons Deuxième République. Oui, il va à nous avons Deuxième République. Pour le moment, à Tchango. C'est ça, Wabodan. Oui, c'est ça, Wabodan. Pour le moment, on a commencé seulement à Tchango 2 projets qui sont ici et Ngapa. Mais nous avons déjà donné des instructions à l'entreprise qui a déjà fait les études d'exécution pour Bolingué. Et je crois d'un moment à l'autre, Bolingué sera plus déjà en charge. Parce qu'on a déjà terminé toutes les vérifications techniques. Donc Bolingué, d'un moment à l'autre, peut-être ils peuvent nous dire quand est-ce qu'ils pensent commencer. Je peux vous dire que vous puissiez taper sur la table. Parce que lorsqu'il y a un retour politique, il vous vise vous dire. J'ai comme l'impression qu'il y a eu un problème de planification dans le cadre de ce projet. Nous avons soulevé cela. Nous sommes en train de souffrir un problème sur Terre-Jaune, de ces gens-là qui ont construit sur la route. On va arriver à Terre-Jaune, honorable. On fasse les choses. Non, on passe par le temps. Nous avons commencé ici. Je voulais que vous puissiez voir qu'on va se déporter sur Terre-Jaune, qui est la deuxième étape. On pourra parler de la problématique de Terre-Jaune. Mais globalement, pour qu'on gagne du temps, parce qu'on va faire 4 districts. Hein. Oui. De manière globale, nous sommes ici en train de requalifier ce projet. Ça doit être clair. Il est évident qu'il y a eu des inquiétudes en termes d'état d'avancement physique du projet. Et même des planifications. Ça fait partie de tout ça. C'est-à-dire que la manière dont ça a été planifié, les éléments qui devaient être mis à la disposition, de manière à ce que nous puissions vérifier et suivre l'exécution, ça n'a pas toujours été fait correctement. Alors, qu'à cela ne tienne, c'est un projet qui tient à cœur la République, en particulier son Excellence M. le Président de la République, qui était l'initiateur du projet. Et nous devons tout faire pour remettre ce projet sur le chemin critique. Et c'est à cela que nous attelons au travers des différentes séances de travail que nous avons avec eux. Et cette visite d'inspection qui va nous permettre à nous tous de voir à quel niveau nous sommes. Donc voilà plus ou moins le cadre dans lequel nous sommes. Comment est-ce que nous voulons faire avancer les choses. Donc, Ouais, c'est pas grave, on va rappeler.
Ah, pardon, c'est moi. L'entreprise. Toujours,
Habitants, il y a terre jaune. Nous sommes encore dans Maël et la Bible. On se périt la présence du ministre. En tout cas, on s'est dans la deux chemins. Bameka, pour ça, la biso. C'est là, oh, Batiana, nous, caniveau, et le Waliboso, c'est caniveau. Parce que route Oyo et Zali route Moro principale. Oyo et Zomé Mabato. Nangomba, Ti Mangengenge. Ti na 1000 maisons. À titre de rappel, le projet Tchilégénou est un projet qui a été initié, lancé par le chef de l'État le mois de mars de cette année-ci. Et ce projet a procédé du fait que le chef de l'État souhaitait améliorer les conditions de vie de notre population en leur donnant des infrastructures routières qui puissent leur permettre une circulation beaucoup plus fluide. Alors voilà bientôt 9 mois que ce projet a été lancé et donc nous voulions nous rassurer que ce projet était véritablement sur un chemin critique de manière à ce que les délais qui étaient impartis à ce projet, en tout cas pour la partie Kinshasa, qui était de 28 mois, puissent être respectés. C'est pourquoi nous avons fait cette descente pour que nous puissions nous rendre compte de l'état
d'avancement physique d'abord du projet. Nous avons souhaité pour cela se faire accompagner des représentants du peuple, les honorables députés que vous voyez avec moi, l'honorable Kamouji, l'honorable Nézer, l'honorable Monsoleil, l'honorable Bassi. Exact, Domassi. Donc, nous avons déjà au moins 5 députés nationaux parce que nous voulons que l'action du gouvernement puisse être accompagnée par les législatives qui sont l'œil de la population et se rassurer que, effectivement, tout ce que nous voulons mettre en œuvre pour le bénéfice de la population, au niveau du législatif, sera sûr que les choses sont effectivement faites selon ce qui était pour nous. Donc, l'objectif d'abord, c'est de pouvoir nous rassurer sur le respect des délais, nous rassurer sur la qualité des ouvrages qui vont être réalisés ici, et en fin de compte, nous rassurer également que l'argent que l'État sort pour ces programmes, pour ce projet, est effectivement utilisé à bon escient. Donc, en gros, c'est pour cela que nous sommes là sur le terrain. Alors, nous pouvons voir qu'au jour d'aujourd'hui, en ce qui concerne particulièrement cette artère, Terre Jaune, parce que nous avons souhaité venir ici parce que c'est ici que le lancement s'est fait. Donc, c'est très symbolique par rapport à ce projet. La question, c'est ma question. C'est un projet qui fait à peu près. Le tronçon fait 2 km à peu près et à peu près 9 mètres de large. Et donc nous sommes là. Nous constatons que sur 1300 mètres, les travaux ont été exécutés. Nous sommes pratiquement à la couche maintenant de la fondation. La couche de fondation a été faite, la couche de base a été faite. Maintenant, il faut qu'on pose l'asphalte. Okay. Nous avons donné des instructions très claires. Où est-ce qu'ils sont les gens de Craig 7, les représentants de l'entreprise qui exécute les travaux, Craig 7 est là. Nous avons voulu que, à ce stade, on puisse maintenant commencer à asphalter. On a déjà fini les travaux d'assainissement sur 1300 mètres. Maintenant, il faut que l'asphalte soit posé pour que la population se rende compte qu'effectivement, les travaux sont à l'heure. Donc, nous leur avons donné un délai avant la fin de cette année. Dans les 2 semaines qui suivent, il faut que on voit le bitumage de cette artère commencer. Donc voilà ce que nous pouvons dire en résumé à ce stade. Première question. Notre tournée aujourd'hui. Mais pas l'exercice de la vie, aujourd'hui, à ce moment, Milelou, il y a un peu de temps. 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 Que tous alliés pour la se rassurer que effectivement Misala et Moussala m'a fait délai que vous allez respecter. Il y a un autre peu ça mitindo aux Ezali clair. La société aux Ezali Awa, société Craig 7, aux Ezala marché aux Ezali. Par exemple, vous exécutez Misala, même si par exemple, on va passer une sorte de délai. On a vu qu'en 28 mois, Misala nuance sur le projet de chez les Awa, on a fait un petit chasse aussi là. Alors, je me dis que moi, je suis allé quand même par rapport à votre exercice. Donc, il y a tout le temps là. Ah, je me dis quand même qu'il a avancé sur les 2000 mètres, 1300 mètres, ça va se passer à travaux, il y a assainissement. Donc, je vais vous dire que tu as asphalte, mais tu ne vas pas. Toujours quand ça que tu peux si tu as instruction que dans les 2 semaines qui suivent, bah ça là. Baba n'a pas l'asphaltage. Donc, comme tu as su quand là, tu as effectivement que menace à l'érosion et bannir. Et si tu as déjà, ça dit ah ouais, mais la mission, et si que non, tu as étudié et salamant pour que tu aies une solution adéquate. Pour ceux qui ont dit que ça dit Nzela, tu dis que l'érosion a évolué et voyez que c'est Nzela. Donc, il faut que tu aies une solution en charge dans Nzela, dans l'érosion. Donc, ça fait un plaisir pour moi que tu as accompagné les lots. Il y a un député, un honorable représentant du peuple, on va vous aider sur la population de la mission. Pour la combat, on peut pas monter la mission, on peut ceux qui, basalement, maloba, maloba, à niveau Oyo, tout ça, on peut pas maloba. Excellent, c'est là où on est de rechanger la visite d'Abino Boussani.
Je crois qu'on a dit biso. On a dit biso, tu le dis que toi qui a pour se rendre compte état d'avancement. Il y a ça là. Tu peux si de l'eau meeting, tu le dis pour ça nous ça de monde. Aussi c'est pas travaux d'assainissement. Mais et l'autre population comment là, ils ont comment asphalte, ils ont comment bitume, ils ont comment que asphalte nous. Donc n'est tout ça que l'on a tu le dis population que la ba semaine ils ont pour installer pas au plus deux semaines. Bah comment on a avant de bitumer c'est là donc et là on changeait c'est que nous la minute au asphaltage c'est là et nous on je suis très satisfait population y a chambre on va s'aller satisfait vous savez la canaba warrior ou bah vendre la canaba bureau na bamoto parce que c'est Delhi na gouvernement où vous allez à union centrale de la nation dans la différence na gouvernement oyo na kina mafia FCC pour la qui s'appelle soto zo sa donc awa omoni makambu ndenge zo évolué atika ki une seconde de sans que na pesa rapport ya évolution ya zela oyo ba pebele bazo mona ngo niveau e komi boye mais ngai na za na vidéo ya zela oyo ndenge zalaka donc ezali satisfaction makasi. Problème nazali ko reprocher na ba service, je pense que c'est un problème kaka ya communication. Na yebi sa kango excellence tout le temps parce que population biso conduit to yebi que ceux qui ba annoncer na yendi que bazo asphalter nzela to lingi mardi to mona déjà place on a eu comme noir. Wana yende biso. Alors que selon ba technicien, il faut nan ko sala ba à niveau, il faut ko sala ba couche. Biloko wana biso to yebi ya kote. Or, misala est avancé ma casse. Et parce que le peuple a besoin de la carte avant mon place et pour ma noire dans ma cadam, bon, on a besoin de la carte pour que ce soit salé. Donc, la population va à la Kimia, tous allés pour l'année de ma Kamongo, Dengue, le matin toujours. Dans deux semaines, mine d'état, à l'obéir, mon roi, pour son palais ce soir. Aya, pour mon acquis, dans deux semaines, déjà, Nissana et Akwasfati, Zela et Kobanda. Bon, à érosion, à Pessa qui biso déjà parole, Naye, parce que ton pota qui déjà, excellence, peut-être que vous avez étudié déjà dans mes salaires. Donc, ravin, je vais attaquer en haut du sous. Parce que, oh, ils allaient 10 jours pour la terre jaune. Depuis Mobutu, l'histoire est là où ils ont remonté depuis Tawana. Mobutu, nous avons salé 15 ans pour tomber en terre jaune. Mais bon, tu as la de Mobutu, tu Félix Antoine Tshisekedi, né aïe à l'obi, Bacha Makadam. Ils ont une signification ébélé, c'est-à-dire pour la vie, ils ont bijoux. Contrer, les gens qui ont excellence, érosion, on a ici là, pas la terre jaune avant le 31, pas fêté. Le lendemain, mon côté, on a capé couvent au Yokotakawa le 31 décembre 2020. Donc, on comprend que Souka et Asanza pour Nabiso, ils ont une signification ébélé. Merci, madame. Ben, nous sommes en visite. Des chantiers Chile Djilou avec le ministre Guizarro. Je pense qu'il est inconcevable d'avoir en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville province de Kinshasa, qui se situe dans la capitale, mais dans un état désastreux, déplorable. Donc c'est pour cela que nous demandons bien sûr au ministre des Infrastructures de faire en sorte qu'avec l'OVD, que les habitants de ce coin puissent réellement respirer. Vraiment. Nous avons l'impression que les gens peuvent ressembler à des porcs. Donc, je trouve cela anormal. On a fait l'inspection du projet Tchilijilou. Et nous venons d'arriver ici sur la rue Roi Baudouin, Bolengue. Cette avenue est d'une importance capitale pour Tchangou. Parce qu'ici, vous avez l'hôpital Roi Baudouin qui est là. Nous avons également un peu plus loin une morgue qui est là et puis l'Institut Massina. Et donc, c'est pour cette raison, le marché de la liberté qui est sur la côté, c'est pour cette raison que cette artère avait été retenue dans ce projet. Mais comme vous pouvez le constater avec moi, les travaux n'ont pas encore commencé ici. Il est important pour nous, dans le cadre de la redynamisation de ce projet, nous rassurer quel est le planning de l'entreprise par rapport à ce projet. Eh bien, les informations que nous avons en entreprise est là, c'est que d'abord les études sont achevées et donc maintenant nous sommes dans la phase de démarrage
du projet. Et je leur ai posé la question, s'ils sont là, de Craig 7, et nous pouvons promettre à la population qu'au plus tard le 5 janvier, les travaux vont commencer ici. Donc nous sommes là pour que nous puissions voir l'état d'avancement du projet globalement. Là où ça va, disons que ça va, là où ça ne va pas, eh ben, nous attirons l'attention de l'entreprise parce que la population a son regard fixé sur ce projet, un projet qui tient à cœur le chef de l'État. Il faut tout ça en exécution, par instruction. Alors, au moment que tu as côté de Bosso, côté à la Cham, côté à Terre Jaune, ta Terre Jaune, voilà comment tu as que Misala évolue. Mais tu es à Awa, tu as dit que Misala n'a pas été. Il y a un autre qui te le dit dans la société. Il y a un autre qui a dit Awa. Par contre, tu vas à Misala, Misala Awa. Le 5 janvier, la population congolaise a mangé comme Awa, Nene Misala et Zapo. La question de l'OPS, tu peux quand vous l'avez, excellent. C'est la planification, maman. Vous avez dit, Misala Kobana, Chile Chelou, c'est 35 artères. Nous avons 35 avenues pour Misala. Pour réhabiliter, pour moderniser. On a déjà vu la Kinshasa. Pour le Banda, on a terminé son côté. Donc, pour le Banda, on a lobby, on a côté Oyo. Mais l'important, c'est que la délai Oyo va passer au projet Oyo, c'est-à-dire 28 mois. Depuis le 17 mars 2021, au compté 28 mois, il faut que l'artère Nyonso, les 35 artères Wana, est ici. La minute Oyo va se faire qu'on a 16 artères. 15 exactement, artères parce que papa dit ça là, au Yopé, Maroumba Namo, l'Engetologie, le 5 janvier. Plus précisément, nous allons voir que nous avons. Et après notre visite, nous constatons ici. Et c'est très important de vous dire que la qualité des infrastructures routières dépend énormément des travaux d'assainissement qui sont faits dès le départ. La phase d'asphaltage est la phase ultime, la phase terminale. Mais au départ, il faut d'abord que les travaux d'assainissement soient bien faits pour qu'on espère que la route va être de qualité et qu'elle va durer. Vous savez que Kinshasa va avoir aussi d'énormes problèmes d'inondation. Les problèmes d'inondation sont essentiellement dus au fait que les travaux d'assainissement n'ont pas été bien effectués. C'est pourquoi nous avons donné vraiment des recommandations faites aux entreprises qui sont concernées par l'entreprise qui est concernée par les gilets. Thank you.
Il y a un peu
Bobona na birote bimara na biro Bobona. Papa. Ministre. Merci à toi pour la moconde. Baconde, on va aussi apprendre la vie de la population. Boumbo, félicitations. Malana Botama, Malbosan, mon amakadam. Mais ce sera la baguette aussi la thé. Si élection, il y a même ce soir, on dit, mais ça la nini. On y a ce soir, on a mal à 40 ans, on va prendre ma compte, ma kima. Pour donner un coup de fouet, un nouvel élan à ce projet. Et nous avons tenu à venir ici, sur la Plume Manifeste, parce que c'est l'une des premières avenues qui va recevoir l'asphaltage, le bitumage. Après qu'on ait fini les travaux d'assainissement, maintenant on commence l'asphaltage. Et nous avons voulu être accompagnés par des témoins privilégiés qui sont députés nationaux, qui sont là et qui peuvent témoigner eux-mêmes par leurs propres mots, ce qu'ils ont vu, ce qui est réalisé. Nous ne sommes pas, bien sûr, satisfaits à 100% parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous avons voulu montrer ce qui va et ce qui ne va pas. Il y a des artères qui ne sont pas encore commencées, même ici, dans ce district de la Fula. Mais au moins ici, là, nous pourrons voir que les travaux ont commencé. Donc voilà, l'asphaltage a commencé. Je vais laisser la parole aux honorables députés pour qu'ils puissent donner aussi leurs sentiments par rapport à ce qu'ils ont fait. Vous devez savoir, en tant que député national, j'ai pour rôle de défendre les intérêts du peuple congolais. Un député a un rôle, a plusieurs rôles, légiférer, voter le budget de la République, mais aussi le contrôle parlementaire. Et c'est dans ce cadre que nous accompagnons le ministre d'État, chargé des infrastructures, pour ce projet bien sûr qui est Chilejino. Nous avons commencé par
Tchamou, Mohamba, nous sommes à Founa, qui est ma circonscription électorale. Et nous sentons qu'il y a plusieurs avancées, plus de 7 km de route qui sont aujourd'hui en bon état. Donc nous essayons d'y croire. Vous savez, mon rôle à moi n'est pas d'applaudir un ministre. Mon rôle à moi, c'est de l'accompagner. Quand ça ne marche pas, je dénonce. Et quand ça évolue, je dis oui, ça évolue, mais vous pouvez faire mieux, monsieur le ministre. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Nous avons plusieurs problèmes à la Founa, pas seulement sur la route, mais aussi plusieurs problèmes d'inondation. Le ministre a essayé de répondre en partie sur le problème de Kalamou, mais aussi il y a aussi d'autres problèmes. Vous savez, les érosions aussi sont un casse-tête dans la ville de Kinshasa. Voilà un tout petit peu ce que j'ai à dire. Je le dis ceci, nous avons rencontré Nasepeli Miki en tant que député national, Tota Molina, ministre des infrastructures, ministre d'État chargé à l'infrastructure, pour total un peu chantier Oyo ya projet Chile Genou, de Banakina Chamou, Okeina Mohamba, Oyina Funa na circonscription Namaï, pour ceux qui n'ont pas dans le Lukunga. Pour tout le chantier Nini, toute l'évolution, il y a un chantier Nini et Zali. Donc constatez qu'il y a beaucoup de chantiers actifs et Zali, certains chantiers aussi les Zali inactifs, mais nous espérons bien sûr que l'évolution est Zala. Dans le bien, clairement, là en tant que député national, mon salaire n'a pas Zali à Robert et la ministre va voter. Mais Zali pour accompagner la vaccination. Il y a un contrôle parlementaire. Tant que nous avons Simba, ce que si mi pété tobisa ministre côté kuna ozoko vaté bongisa. Je pense qu'aujourd'hui na Founa na côté na ngai tout ça le problème est belé. Il y a ba érosion, il y a ba inondation, na ba nzela est belé zali babé. Alors na osenga la ministre des infrastructures que moussa les alliés belé. Na osenga surtout que tous un temps mingité na ba transport ya ba 7 km. Ozobon là. Ba nzela est belé fois salama. Na osenga la bango na lombango moussa la ezala moi comment je peux dire et respecter calendrier là. Voilà ce que je peux un peu dire. La ministre, il y a infrastructure, mais j'aime beaucoup l'attitude du ministre parce que la monine a une pression de la OVD. Elle a une pression de la Grèce. Et la bicycle sous la OVD, elle a une pression. Non, il faut la commun sur place. Voilà. Merci beaucoup. Ma Mission TV, le miroir du monde.